Bolsonaro refuse donc l'aide du G7. Première une de Libération. Le Libé des forêts, les incendies en Amazonie. Hier, le G7 a décidé donc d'une aide d'urgence de 20 millions d'euros, de dollars, pour financer l'envoi d'avions bombardiers d'eau. Une aide, eh bien, Frédéric, refusée par le Brésil ce matin. C'est très compliqué cette histoire, parce que Bolsonaro est un type horrible, on est d'accord. Horrible. Oui, horrible. Mais pour quelle raison vous dites? Il est horrible, qu'à voir la manière dont il s'exprime, les insultes qu'il a adressées à Madame Macron, enfin tout ça, c'est horrible. Bon, il est horrible dans ses propos, dans beaucoup de choses. Mais les choses étant ce qu'elles sont, il est président de la République du Brésil, il a été élu dans des conditions normales. Et par ailleurs. Bonjour Christine. Bonjour Christine O'Crane, merci de nous rejoindre. Et par ailleurs, le Brésil est un grand pays qui est certainement très chatouilleux sur son nationalisme et qui supportera assez mal qu'on le traite d'une manière un peu paternaliste, en lui disant on va vous donner de l'argent, comme s'ils n'en avaient pas, mais ils n'en ont peut-être pas, mais ils en ont quand même suffisamment pour le faire. Et donc, il n'est pas impossible que Bolsonaro, qui est quand même aussi un animal politique, pas formidable, mais un animal politique, en profite et que finalement, ça se retourne contre la position mondiale et consiste à penser que l'Amazonie est un poumon du monde entier.